Amis de Météor Le Mag, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ici ce soir à Ashdod, au Yad Lebanim, pour une soirée très exceptionnelle avec Yves Smadja. Alors, tu es dentiste à Ashdod, les gens te connaissent. Mais ce soir, on est là pour autre chose, pour rendre hommage à ta fille. Dis-nous un petit mot sur ta fille. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu lui rends hommage ce soir à travers une soirée flamenco? C'est pas seulement flamenco, parce que ma fille Shirley, elle a dansé flamenco. Donc, quand j'ai vu Sharon Sagui il y a 3 ans, l'idée est venue à faire flamenco. Et grâce à Dieu, c'est ce que j'ai eu. Chaque fois, je reçois... Comme le ciel me dit, des signes, comment, qu'est-ce que je dois faire? Et c'est ça mon symbole de la vie, c'est vivre avec les signes. Voilà, là, ce que je représente, c'est des militaires qui ont fait le même stage que ma fille Shirley. Et grâce à Dieu, grâce à ma fille Shirley, tous les ans, je fais une journée de solidarité à des militaires qui font exactement qu'est-ce qu'elle a fait Shirley. C'est un programme extraordinaire. Et juste une semaine en général avant la Saskara, je fais cette soirée musicale pour essayer d'avoir plus d'émotions, de tendresse, d'affection, et que la journée la plus dure de faire le Kaddish, c'est trop dur. Donc voilà. Alors ce que je souhaite, c'est que tout le monde suit à peu près ma façon, comment j'essaie de remettre ma fille à côté de moi. Et elle est vraiment à côté de nous, parce que voilà, comme tu vois ce soir, c'est une soirée extraordinaire. Alors je vous quitte et je vous laisse. Et ça, je veux dire à toutes les militaires, Tishmeru al atzmechem, Tidagu kol hazman, Tihu beyachad. Il faut être toujours entre ciel et mer, c'est le secret de la vie. Dejaste mi cuerpo con el fuego de tu amor y tú te fuiste al alba. Marchaste al alba.